Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode continuer à explorer le village Cocorico. Est-ce qu'il y avait des choses qu'il nous manque au village Cocorico? Est-ce qu'on a des quêtes au village de Cocorico? Ça, c'est trois stèles qui nous manquent. Là, on est très très loin. Les piafs. Trésor des étangs de lézard. Ça c'est le ok, c'est le truc des gorons. Le fossile. Ah! Je me demande, est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse celui-ci d'abord avant de faire le grand fossile qu'on a vu chez les piaves justement. Ça pourrait être en rapport avec ça. On va se la noter. Ça c'est le trésor donc des auras. Corico, y a rien. Hein. Ok. En tout cas, y a rien que j'ai débloqué. Donc, on va aller là-haut, tiens. Ça me paraît pas mal. Là, y a un sanctuaire. Y aurait pas un. Non, y a pas de. Là, je n'y suis pas allé. Je ne suis pas allé là non plus. Là, sur cette île-là, il y a potentiellement un. Je vais pas aller sur celle-là non plus. Il y a potentiellement quelque chose. On va aller ici, parce qu'a priori, on est plutôt haut. Très haut. Ah, quoi que non. On n'a pas moyen de monter. Le sanctuaire, il est en bas. Est-ce que je peux pas juste demander au robot assistant de m'emmener là-haut, sans faire l'épreuve? Ce serait pas mal. Il me semble qu'il y a la possibilité. Il est là-bas. Il n'y aurait pas une fée par hasard ici. Non. Link, c'est moi. J'espère que tu as passé une bonne journée. Peux-tu... Merde. Merde. Je peux pas monter. Je peux pas juste lui demander de m'envoyer là-haut. Ça, c'est énervant. Parce que... Ce serait pratique. Malheureusement, non. Bon, alors. Comment j'arrive? Sur cette île-là déjà. Comme ça. Il doit bien y avoir quelque chose. Un Korogu. Demande de foncer comme ça. Et merde. Je me suis arrêté. J'avais peur des dégâts de chute. Zut. Mais je vais mettre les autres. Je vais mettre ça, comme ça je pourrais m'éclater en bas sans aucun problème. Ah mais non, il faut que je l'examine. Ok. Mais j'ai quand même envie de tester. Parce qu'il y avait l'air d'avoir un cercle. Ah bah non. Ok. Il n'y a pas moyen. Fallait juste le rattraper. Ok. Il y a une grosse île quand même. Elle est au-dessus ou elle est en dessous? A priori c'est celle-là hein. Ouais. Non, c'est pas celle-là du coup. Celle-là? Non, c'est pas, c'est la même celle-là. Oui, on est d'accord, c'est la même.
Du coup, elle sera en dessous. Encore plus au-dessus. Mais il y a bien une. Il y a bien une île. Elle est où? C'est pas une île, ça. Ça, c'est le bord de la... c'est le bord de la falaise, ça. Tu sors d'où, toi? Mais je suis bourré ou? Attendez, il va falloir que je résolve le problème là. Va devoir résoudre ça. Cette île. Il est forcément au-dessus. Oh Zelda! Oui, elle est forcément au-dessus. Là, il n'y avait rien en dessous, hein. Mais elle serait encore plus haute que là. Ça, c'est la reine qu'on voit, c'est pas du tout la bonne île. Il y en a une devant. Et donc là, je suis sur l'île, quoi. Ok, donc soit je monte au-dessus, il y a quelque chose, tout là-haut. On va changer de tenue là d'ailleurs. Je suis en train de monter comme si j'avais batterie infinie, mais ce n'est pas le cas. D'accord, c'est chelou. Au final, je serais monté, hein, tout en haut. D'ailleurs, on va peut-être rester à côté histoire de se recharger nos batteries si on a besoin. Je suis perturbé. Ah, ça m'intrigue. Là, il y a un Golemax, oui, mais tout de même. Maintenant qu'on est en hauteur. Bon, il n'y a clairement pas d'île à côté. Ah, il y en a une au-dessus. Elle est vraiment tout en haut. Et j'y suis bien pas allé. Si. Mais si, j'y suis allé. Ah non, je viens de. C'est moi qui. Ok. Non, 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 non. C'est moi qui viens d'y aller là. En passant en dessous avec la moto. Hop. Il y a intérêt d'y avoir quelque chose, hein. Donc elle était bien au-dessus, tellement au-dessus que je pouvais pas la voir. Alors ça. Incroyable. On arrive au sommet de l'épreuve. C'est moi, il y a une île là-haut. Ah oui, il y a une île encore plus haut. Waouh. Il y a des îles très très hautes, hein.
pensais que les épreuves c'était les plus hautes, mais j'ai l'impression qu'il y en a une tout en haut, tout en haut. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici? Un vieux Korogu? Ah, rien. Un coffre quand même au moins, non? J'ose espérer. Ah, un coffre quand même, ok. Une vieille carte. Ok. Yes, j'ai déjà trouvé. Ah, génial. J'ai déjà trouvé le coffre. Donc encore mieux en réalité. Tout ça pour un truc que j'ai déjà. Bon, y a un Korogu dans l'arbre, non? Non, même pas. Mais pourquoi? Bon, celui-ci alors. Non plus. Bon, bah, juste une vieille carte que j'avais déjà. Alors, il y avait une île. Non, elle est pas plus haute. Pas grand-chose bien plus haut qu'ici, hein. Ok, bon bah y'a rien. Hein. Faut que j'aille là moi. À la base. Let's go. Ah non, Link il a dit non. Je ne veux pas. Hop. On décolle. Ta 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 ta. Et a priori c'est par là. Hein. Est-ce que vaut mieux que j'aille comme ça ou j'y aille en... Je pense que je peux pas y aller en tenue de vol. Mais c'est ça, il y a Zelda et il y a Rodrak qui se croisent. Non, c'est Ordrak. C'est Nedarak. C'est qui le rouge? C'est Ordrak, non? C'est Ordrak. Et deux qui se croisent ici. C'est comique. Et on a la statue, la voilà. On voit la baleine là. Bonjour monsieur le monstre. Je ne vous ai rien demandé. Vous n'étiez pas allé aux sources d'eau chaude, les Gorons. On n'y est jamais allé. Hop, là je peux peut-être l'abandonner, cela dit. J'irai plus vite. J'irai plus vite en tenue de vol. Ta-da-da-da-da. Je serais bien allé voir Zelda, mais elle est pas sur le chemin malheureusement. Enfin, elle est juste là quoi, mais ça me ferait perdre la hauteur. Ta-da-da-da. Non, je peux pas prendre d'appareil photo, ok. Moi, sanctuaire, bonjour. Je blâ. Sans aucun problème. Sanctuaire de Maya Coco. Bonjour. Alors. Un vrai sanctuaire, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la version barbare. Chute éphémère. Donc, on se fait propulser. Ça, je n'ai pas mon arme. Déjà, on va faire ça. Ok, il y a une boule. Je suis censé activer. Ok. Ai-je vraiment besoin de faire ça?
Paf. Bah, ça m'a l'air facile. Je suis pas sûr qu'il y avait besoin de prendre ça en vrai. Hein. Tu prends la boule, tu fais ça, tu la mets au-dessus, tu l'attends. Enfin, tu la stops avec récolte et puis c'est fini. Mais comme ça, c'était pas plus difficile donc. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait sortir ça. Ça nous propulse super haut, ok. Alors on fait tomber une boule, je suppose. Ok. Ça déconne zéro, hein. Ouais, effectivement, super haut. Alors, il doit y avoir un coffre là, je suppose. Même pas? Ok, bonjour, Madame la boule. Bon, le coffre est là-haut. Je crois que... Ouais. Damnation. Ah, il y a bien un autre coffre ici. Ok. Ah non, c'est quoi ça? Ah mais non, mais c'est ça qu'il me faut activer. Ok, je suis bêta moi. C'est pas un coffre. Touloulou. Ok, je vais récupérer ma flèche. Ça, c'est pas du gâchis. Hop, alors. En vrai, on va se mettre la tenue de vol. Ça, je pourrais tomber sans encombre. Oula. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser la boulette, hein. Pas s'embêter. Elle va redescendre, elle va redescendre. Ne vous inquiétez pas, elle va redescendre. Comment ça? Merci. Hop. Ah non! Yes, je me suis foiré. La boule, elle va plus être là. 100%. Ah si, ouf. J'ai tombé. Donc, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Va dire à la boule, coucou. C'est exactement ici que tu veux être. Ça, c'est une très mauvaise idée. Oh non, je peux plus la prendre. Retour arrière sur les mauvaises idées. Ça dit, je peux faire ça. Hein. Il est où le... Ah, il est là-haut. Voilà. Pas censé être comme ça, mais c'est comme ça qu'on le fait. Ça me paraît plus simple que d'espérer que ça tombe dessus. De viser à la flèche et tout. Il y a moyen que ce soit stylé si t'arrives à dive, tu vises à l'arc, paf, ça s'ouvre, tu te prends la boule dessus. Déplacement latéral, vous pouvez déplacer latéralement tout en conservant votre angle de vue. On est d'accord, c'est pas nouveau. Alors, le grand fossile.
va se faire mal au pied là, j'ai mal pour lui. J'ai mal pour Link. Plutôt faire ça. Voilà, on va remettre notre tenue. Hop. Alors faut que je fasse quoi avec ça? Elle sera en ordine pour admirer le fossile. Non, on va juste admirer le fossile. Ok. Pas besoin de prendre de photos. Non. Grand fossile d'ordine. Mais c'est peut-être elle qui va nous faire une quête. Parce que ça me paraît très étrange qu'il n'y ait que ça sur le grand fossile de... des bras. Et pas sur celui-ci. Il n'y a plus le grand fossile qu'il y avait en... dans le désert, puisqu'il y a le temple maintenant. Ça, j'ai l'impression que c'est un morceau de quelque chose que je peux extraire. Alors, il est nouveau. Hop. C'est juste une boule. Ok, bon, on verra. C'est probablement l'œil. On va aller lui parler d'abord. Bonjour, madame. Son œil. Ouais, bah, c'est ça. Hein. Il manque son œil. Tiens, tu es là, toi aussi, regarde là-bas. Là-bas, tu vois l'œil de la petite baleine, c'est très rare que les globes oculaires se fossilisent. Mais... il lui manque son œil gauche. Mais tu vas dire que c'était très rare. À dire que j'ai fait tout ce chemin pour ça, j'aimerais au moins la voir avec ses deux yeux. Je pense que l'autre œil doit se trouver quelque part par ici. Je paierai très cher pour voir juste ça. Mais c'est peut-être un globe oculaire, du coup, qui manque dans l'autre. Pour le coup. Non, ça veut pas. Pas assez puissant. Ok. C'est juste un gros rocher, hein. Pas besoin de... bon, en vrai, il rentre parfaitement, mais... chose me dit qu'il vaut mieux que je le mette... dans l'autre sens... ah non, mais je peux pas le faire... ah. Il faut le faire tourner. Il y aura pas un Korogu là, par hasard. Paraissent louches. Non? Ok. Ces petits cailloux me paraissaient louches, mais c'est peut-être pour nous faire croire que c'est les aubes oculaires. Les aubes. Non, les globes oculaires. À la base, c'était orbe que je voulais dire, mais. Mais non. À dire que j'ai fait tout le chemin jusqu'ici. J'aimerais revoir avec ses deux yeux. Blablabla. Mais c'est fait, regarde. T'as juste à regarder avec tes yeux. Quoi, vraiment? Fantastique, son œil a été restauré. Ah, de si petits yeux sur une si grande tête. Le contraste est adorable, tu ne trouves pas? Et maintenant qu'elle a ses deux yeux, elle est encore plus craquante. Merci d'avoir trouvé et restauré son œil. Tiens, prends ça, c'est pour te remercier. Grâce à toi, j'ai pu voir le fossile avec ses deux yeux. Je pourrais rester une éternité à la regarder, mais j'ai encore deux autres baleines géantes à voir. J'ai hâte de voir la prochaine. Je pense que je vais aller voir celle qui se trouve en Hébra ensuite. Attends que je jette un coup d'œil à la carte. Bah, c'est ça. En fait, j'ai fait la quête avant même de la... elle est censée être par là. Ah, j'ai hâte de la voir. Bon, assez tergiversé, en route. J'ai déjà tout mis dedans. Je pense qu'il y avait deux trucs à mettre dedans. Parce qu'elle n'est pas complète, je l'ai déjà fait. Et comme il n'y avait pas la quête, je pouvais pas le faire. Mission le grand fossile des bras. Et ben, on va aller là, on va y aller. Voilà, il y a un coffre. Y a pas de sanctuaire tout là? Non, c'est impossible ça. Ça, c'est impossible. Si je me mets là, je dois pouvoir y aller, non? Elle était assez haute. Si je me souviens bien. En plus, je crois que c'est le second, ça. C'est le second sanctuaire, donc on est très haut. Ah, l'étang du lézard, il est juste là.
La prochaine fois. Ouais, c'est bien le second. Non, je pense que je peux y aller sans. Ah, quoique. Ça me paraît chaud quand même. Là, c'est mieux. Pin, pin, pin. Ah, là, il y a un sanctuaire. On va le faire plutôt. D'où je le vois, on va y aller, hein. Hop. Source de temps flamme. Je suis jamais allé aux sources de temps flamme, moi. Je fais le sanctuaire avant les sources. On va voir ce que ça fait. Ah. Ce sanctuaire dissipe le mal. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu celui-là. Combat, désarmé, infiltration. Tan-dan. Ok, en infiltration, donc en gros, faut y aller discretos. Pas être vu. Pas vu, pas pris. Tu regardes où, à gauche, à droite. Ok. Se mettre là. Après, il va se tourner. Et lui qui va nous embêter, je crois. Il nous voit pas. Link a un beau timing, hein, parce que. Il les voit pas, eux. Il m'a vu. C'est une blague. J'ai été discret pourtant. Ouais, mais il m'a vu aussi, lui. Bon, là, je suis trop rapide, mais. On prend le long bâton. Ça a rien de prendre le loot. Ah, quoi que si, on peut le. L'amalgamer. On va prendre le loot avec le long bâton également. Des flèches, on a un arc. C'est plutôt bien. Y'a rien là? Ok. Je peux pas rentrer là non plus. Mais y'a quoi ici? Y'a rien. Même pas une échelle pour monter là? Non, y'a rien. Ok, y'a que dalle. Très bien. Ah, je peux peut-être m'infiltrer, cela dit. Eh oui! Je peux utiliser infiltration, justement. C'est le nom du sanctuaire. Quoi ça? Ah. Ça sonne l'alarme, super. Génial. On va faire le tour. Ton, ton, ton. Et des lasers aussi, hein. Là, je passe en dessous. Y a rien dans la caisse, super. Okay. Ça c'est bien vu ça. Il y a une alarme, il ne nous voit pas. Ça c'est dans la gueule. Okay, en réalité, ça serait bien d'aller tuer lui là-bas. Ah, ça s'enlève, ok. Quoi, tu.
Activer ça. Lance-flamme ou lance-laser. Prendre le lance-flamme. Parce que ça fait lance-laser, mais. Ah, ça fait super piou. Ok. Bon, à un moment, on va y aller, hein. Hop. Piou, 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 hein. On est beaucoup trop fort de toute façon. Ta la ta. Ouah, non, ça c'était pas une bonne idée du tout ça. Voilà. Pas nouveau disposer de ton équipement. Merci. Il était pas mal celui-là. Mon infiltration, bon j'ai vraiment pris trop mon temps parce que ça sert à rien d'y aller aussi discrètement. Je suis suréquipé. Même en slip. Après, fallait quand même y aller pour aller chercher les équipements, justement. Donc, l'un dans l'autre. En vrai, ça va. Tang. Là on a froid, donc on va mettre pause et on va s'arrêter là pour cet épisode de Tears of the Kingdom. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ça n'a aucun rapport avec le froid. Mais c'est pas grave. Ciao ciao tout le monde.